Bonjour, je m'appelle Théo Bouche, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de CAP dans la filière chaudronnerie au lycée Notre-Dame-du-Château à Monistrol-sur-Loire. On pourrait résumer la chaudronnerie à la réalisation d'objets pour l'industrie ou le particulier en acier et d'autres types tels que l'aluminium, acier inoxydable et le cuivre. Bonjour, je m'appelle Mathéo Bernard, j'ai 15 ans, je suis en seconde TCI au lycée Notre-Dame-du-Château à Monistrol-sur-Loire et je sors d'une troisième générale. Suite à une expérience professionnelle, j'ai voulu m'orienter dans la chaudronnerie pour effectuer un bac. Au niveau des résultats scolaires, j'étais tout juste à la moyenne en troisième générale. C'est pour cela que j'ai voulu effectuer une seconde bac pro. Le premier jour au lycée, les profs nous expliquent la sécurité du matériel afin de nous mettre en confiance avec les machines et nous font commencer des petits travaux afin d'apprendre les bases de la chaudronnerie. J'ai trouvé l'entrée en seconde bac pro assez facile car les profs nous accompagnent pour évoluer. Je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis en terminale bac TCI au lycée Notre-Dame-du-Château à Monistrol-sur-Loire. Étant petit, j'ai toujours aimé bricoler, alors faire chaudronnerie ça a toujours été plus ou moins la suite logique. En plus, j'adore ce métier parce qu'il y a beaucoup de débauchés, beaucoup de travail et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Dans cette école, on a l'occasion d'avoir un atelier, ce qui nous permet de travailler beaucoup en autonomie. Mais nos professeurs sont toujours ici pour nous aider et nous aider à réaliser nos projets. C'est un métier hyper intéressant, le souci c'est qu'il risque vite de devenir dangereux si on ne porte pas les équipements de sécurité, comme des lunettes. L'avantage de venir en bac pro, c'est qu'on apprend un métier concret et on peut soit continuer en BTS ou une licence, soit on peut s'arrêter au bac et aller travailler directement. Au lycée, on apprend toutes les bases de la chaudronnerie. Après, on fait des stages pour approfondir nos connaissances et avoir de l'expérience professionnelle qui nous sera utile pour finir nos projets d'atelier. Pour ce faire, nous apprenons petit à petit à savoir lire des plans, savoir tracer à la main ou sur informatique des pièces, savoir assembler diverses pièces, savoir souder avec les différents outils prévus à cet effet. Savoir aussi utiliser d'autres machines pour plier, transformer ou déformer le métal. Tu veux pas me refaire un coq vite fait en échelle 2? Non, c'est pas sur autre chose, toi. Ouais, balance-moi le un peu plus gros là. Échelle 2. Oh, ok. Donc nous sommes actuellement devant le lycée général Notre-Dame-du-Château où nous sommes devant une réalisation du TCI, technicien chaudronnerie industrielle. Mais l'utilisation précise des machines et des outils ne font pas tout. Dans cette filière, il faut aussi beaucoup de rigueur, être précis, être concentré dans ce que l'on fait, être ordonné. Un accident peut vite arriver, les machines sont dangereuses. Pendant ce CAP, vu que c'est une filière professionnelle, il faudra réaliser des stages en entreprise. C'est-à-dire, pour quelques semaines, être immergé dans son fonctionnement et ses travaux. En l'occurrence, en CAP, nous avons 12 semaines. On a 16 heures d'atelier par semaine, où on est formé sur plusieurs situations, de la soudure, du pliage, etc. Pour réaliser des projets au lycée. Enfin, l'équipe enseignante est là pour nous aider, nous apprendre un futur métier et pour nous accompagner. Voilà, donc si la chaudronnerie vous tente, n'hésitez pas à venir aux portes ouvertes ou à vous renseigner sur le site du lycée.